Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un petit book haul, le book haul de la rentrée en ce mois de septembre, avec quelques petites choses assez sympathiques que j'ai reçues de différentes commandes et que je voulais vous montrer. J'en profite également pour vous remercier puisque la chaîne a atteint les 500 abonnés vers la fin du mois d'août, donc une semaine avant la fin du mois d'août. Donc comme prévu, il y aura bel et bien, je n'ai pas oublié, le concours pour gagner la figurine. Donc le concours aura lieu fin octobre, pour que je puisse préparer ça correctement. Donc je referai une autre vidéo dans laquelle justement il y aura les modalités, qui ce sera très simple en fait, il suffira de mettre un commentaire sur la vidéo et ensuite comme ça je prendrai tous les commentaires et je ferai un tirage au sort. Donc ce sera mi-octobre, je ferai une vidéo début ou mi-octobre et le tirage sera juste après, donc mi-octobre ou fin octobre. En tout cas le gagnant aura fin octobre, début novembre sa figurine comme promis. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous présente un peu de tout. On a tout d'abord de la VO, j'ai fait une commande, deux commandes en fait, j'en ai fait une pendant le mois d'août, même peut-être mois de juillet, parce que c'était une précommande sur Original Comics, et j'ai refait une commande il n'y a pas longtemps, puisqu'il y avait les frais de port offerts, donc j'en ai profité pour faire une commande de petits comics en VO qui étaient bradés, en plus qui n'étaient pas chers. Donc j'ai commandé, on va prendre par ceux qui sont bradés, le numéro 2 de Spider-Gwen. Donc j'ai déjà les deux premiers tomes de Spider-Gwen en version Panini, donc en version française. Mais j'ai acheté ce petit numéro 2 qui coûtait 2€. Donc voilà, je me suis dit un petit numéro en VO. J'aime beaucoup les couvertures de la série, en tout cas. Peut-être davantage même que les dessins de la série à l'intérieur. C'est-à-dire que je trouve que les couvertures sont beaucoup plus belles que ne le sont les dessins en réalité à l'intérieur. C'est voilà, j'adore Spider-Gwen, j'en parlerai dans une prochaine émission du tome 2 que j'ai lu. Mais en même temps, les dessins, c'est pas ce qu'il y a de mieux dedans. Ensuite, j'ai commandé tout simplement Wonder Woman 47, donc de David Finch. Pareil, c'était 2€, la couverture est sympathique, j'aime bien David Finch, même si j'ai pareil en VF, un petit numéro VO pour la collection, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, visiblement, il y a Cheetah dedans. Donc on verra ce que donne la version de Cheetah de David Finch, parce que bon, je reste quand même sur mon point de vue que la version de Tony S. Daniel dans le tome 3, je crois, de Justice League, si vous les prenez chez Urban, c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Et ensuite, j'ai commandé les 3 premiers numéros d'Extraordinary X-Men. C'est long à dire. Donc, Extraordinary X-Men, numéro 1 à 3. Donc, j'ai acheté le numéro 1 d'X-Men chez Panini, donc, dans laquelle il y avait cette couverture là-dessus, mais avec tous les trucs que Panini aime bien mettre, hein, et en VF. Et c'est une série que je prendrai de toute manière quand elle sortira en relié en France. Mais je me suis dit, voilà, j'adore les couvertures d'Humberto Ramos, donc 2€. Alors attendez, 2€, il y en a un qui a 3€ et un qui a 1€. Ça, c'est le numéro 3. Donc en fait, ouais, le numéro 2, il coûtait 3€ et le numéro 3, il coûtait 1€. Donc au final, ça revenait à 2€ chacun. Les deux autres que je vous ai présentés, c'est 2€ également. Donc voilà, 2€ des comics en VO. Voilà, surtout que c'est pour la collection parce que j'ai déjà l'épisode 1. Je vais les racheter quand ils seront en VF, mais c'est vraiment pour le livre, quoi, que je trouve super beau et les couvertures. Et puis voilà quoi, je suis fan d'Humberto Ramos et Humberto Ramos sur X-Men, c'est vraiment très fort. Ensuite, j'ai commandé deux autres comics, mais ça sur une autre commande. Donc la commande un peu plus ancienne, c'était en précommande. Donc le numéro 2 de Justice League en version Rebirth. Donc le 1, il n'y en avait plus. Je voulais commander le 1. En plus, il y avait une très belle couverture. Je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire qui avait fait la couverture. Mais en tout cas, il y avait une superbe couverture. Donc ce numéro 2 que j'ai lu. Ça se laisse lire, mais c'est pas énorme. Et d'ailleurs, c'est du Tony S. Daniel dedans, et c'est pas énorme non plus. C'est-à-dire que voilà, je suis un grand fan de Tony S. Daniel. Là, il y en a sous le pied, quoi. Il y a pas de page qui m'a bluffé. L'histoire me bluffe pas. Voilà, tout un épisode où ça patine un peu. Et à la fin, on va chercher Superman, parce qu'on a besoin de Superman. Ouais, ça, je l'avais compris. Je croyais que dans le 1, ils allaient chercher et que c'était fait, mais en fait, non. Et ensuite, par contre, All-Star Batman, donc la nouvelle série de Scott Snyder, qui après la série normale Batman, qui est désormais reprise par, par King, c'est ça, il me semble, King et David Finch, eh bien, il a continué son run, mais dans une autre série, All-Star Batman, avec du All-Star en artiste, et notamment, pour ce premier numéro, John Romita Jr. Donc, John Romita Jr. sur du Batman, que dire, c'est vraiment sublime. Je peux vous montrer, je vais le sortir. Je ne vous ai pas montré les autres, je pense que les X-Men vous connaissez. Justice League par Tony S. Daniel, je vous l'ai dit, il n'y a pas de grande planche. Mais ça, par contre,
je peux vous montrer parce que vraiment il y a des choses sympas. Donc ça, vous avez dû voir cette page là un peu partout. Voilà, il y a pas mal de promos, donc ça c'est connu. Mais voilà, cette image là, Harvey Dent, là ici, c'est énorme. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Le livre en plus a une couverture semi-cartonnée, on va dire. Donc il y a un petit aspect luxueux dans ce livre et franchement j'ai pris mon plaisir, j'ai pris mon pied sur cette lecture, très courte, trop courte, donc j'ai hâte que ça sorte en français parce que je ne vais pas racheter les autres numéros en VO, mais j'attendrai une sortie chez Urban, chez Baban en VF parce que All Star Batman c'est du très bon, on retrouve l'écriture habituelle de Scott Snyder, donc si vous êtes fan de son écriture c'est bien, si vous n'êtes pas trop fan vous allez toujours avoir les mêmes soucis. Et John Romita en grande forme quoi. John Romita, ce qu'il fait sur DC, moi j'aime bien. J'aime bien Superman par Romita, j'aime bien Batman par Romita. Davantage que des choses qu'il a pu faire sur Marvel un peu avant. Il a bien fait du Avengers X-Men, je crois. Et par exemple, du Avengers X-Men par Romita, c'était pas ça. Voilà. Pourtant, j'aime bien Avengers vs X-Men, c'est un crossover que j'ai apprécié. Mais les pages de Romita, c'était pas ça. Heureusement qu'il y avait Quapel à côté qui envoie du lourd. Et donc, après, en VF, donc j'ai acheté le tome 1 de Copperhead. Donc, sur Twitter, je vous ai dit que j'avais lu ça et que j'avais bien apprécié. Pour ceux qui me suivent, 10 euros. Voilà. La promesse d'un western spatial un peu m'a attiré. Les dessins étaient pas trop mal. Le fait d'avoir une héroïne voilà, en shérif un peu badass, ça m'a attiré aussi. De voir voilà, un personnage féminin assez fort. Qui est assez fort, donc là je suis pas déçu. Après, il y a quand même le côté maternel, maman, poule, etc. qui me dérange un peu. Les dessins sont pas monstrueux, mais ils sont plutôt jolis. Ça dépend en fait des pages. Voilà, c'est plutôt ça. Parce que là, vous voyez, il y a ces pages-là, vous voyez, je suis pas convaincu. Et à côté de ça, il y a d'autres choses où c'est mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer des pages? Des pages un peu sympathiques en termes de découpage, comme ici. Et voilà, quoi. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà, j'ai apprécié, c'est pas inoubliable, mais ça se laisse lire. Ça se laisse lire, c'est vraiment un tome qui sert à la fois d'introduction, mais qui peut aussi servir de one-shot. Vous pouvez prendre que ce tome 1, puisque c'est une enquête qui démarre au début, après un petit chapitre pour installer les personnages. Et après, on a une enquête sur tout le tome, et à la fin du tome, l'enquête est résolue. Et on comprend que voilà, la carrière est lancée du nouveau shérif et qu'il y aura sans doute d'autres enquêtes mettant en scène les personnages qui ont été introduits dans ce tome 1. Donc ça a l'air plutôt intéressant. De là à continuer, je pense pas. Voilà, j'ai acheté le premier tome à 10 euros. J'en suis satisfait et je recommanderais ça à quelqu'un qui chercherait autre chose que du super-héros. Mais je vais pas aller jusqu'à acheter la suite qui sera à 15 euros de toute façon. Et voilà, et ça m'a pas non plus... voilà, j'ai pas envie d'acheter la suite. Je pense pas que ça ira, que ce sera plus qu'un petit truc sympa, mais sans plus. Et sinon, j'ai acheté les tomes 4 et 5. Ça, c'est des choses un peu plus anciennes, hein, que j'ai rattrapé mon retard. Les tomes 4 et 5 de Uncanny Avengers. J'avais les tomes 1 à 3. Je n'avais pas pris le tome 4 parce que c'était... je crois, hein, après, je sais plus. Je croyais que c'était la première partie d'un truc et qu'il se finissait pas. Mais c'est peut-être pas ça, en fait. Je vous raconte peut-être des bêtises. Toujours est-il que voilà, j'avais pas pris le tome 4 à sa sortie. J'avais pas pris le tome 5 immédiatement sorti, je me suis dit c'est une série que j'aime bien, Uncanny Avengers, en tout cas sur le début que j'ai lu. Il faut que je rattrape mon retard là-dessus et que je les prenne. Donc voilà, j'ai pris les tomes 4 et 5 de Uncanny Avengers. Et j'ai eu aussi, alors ceux-là je les ai rangés, parce que je les ai commandés cet été. Où il est? Ah non, il est pas rangé, il est là-bas. Donc tant pis. J'ai pris le tome 1 de Amazing Spider-Man, donc par Humberto Ramos toujours, et Dan Slott. Qui fait suite au Superior Spider-Man, donc, dont j'avais les derniers tomes hein, en librairie, donc ça fait une belle collection. Et j'ai aussi le tome 2, je crois que je ne vous l'avais pas montré non plus, de Spider-Gwen, donc, que j'ai commandé un peu plus tôt, hein. C'était dans l'été ça, mais je ne l'avais pas lu encore. J'avais commandé le tome 2 de Spider-Gwen avec la version Marvel Events d'Avengers vs X-Men, que je vous avais montré dans une autre vidéo. Pour le coup, c'était pas, je vous l'avais montré comme ça vite fait, hein, juste pour vous montrer le format, c'était dans les 20 questions. Mais voilà, j'ai acheté ça cet été et j'ai lu le tome 2 de Spider-Gwen qui est plutôt intéressant. Il y a certains chapitres plutôt pas mal. Bon, je vais laisser ça là parce que ça ne va pas ranger. Donc voilà, je suis toujours satisfait de cette série, même si les dessins, c'est pas toujours ça. Et puis Avengers vs X-Men, il faudra que je relise ce petit crossover que finalement j'aime beaucoup. Et pour terminer, le hardbook, c'était avec ma commande donc des deux
comics qui étaient Batman et Justice League 2, j'avais surtout commandé ça, le nouvel artbook ou sketchbook, mais voilà, c'est plus un artbook là pour le coup, d'Umberto Ramos, pour le coup, ouais, je suis un grand fan d'Umberto Ramos, c'est le Umberto Ramos présente My Marvels volume 4. Donc c'est déjà le volume 4, voilà, 3 années consécutives je crois de présence My Marvel au San Diego Comic Con, ou alors peut-être qu'il en avait qu'au milieu, il y a peut-être une pause, une année où il avait fait autre chose. Je vais regarder, est-ce que j'ai un Art and Out qui est peut-être sorti entre temps, c'est possible. Mais voilà, sinon voilà, 4 années de suite, 4 sketchbooks, et donc j'ai les 4 signés, voilà, c'est super, j'adore toujours autant. Je ne l'ai pas encore regardé, donc voilà, on retrouve justement la couverture que je vous ai montrée tout à l'heure, donc forcément c'est des choses récentes, donc il va y avoir beaucoup de X-Men, donc ça m'intéressait encore plus ce livre, par rapport au numéro 2 ou 3 où j'avais été un peu plus déçu, parce qu'il y avait beaucoup de couvertures aussi, mais c'était du Superior Spider-Man que j'ai déjà en foison du Superior Spider-Man dans les tomes librairies, donc les couvertures je les connaissais, là il y a franchement plein de choses, déjà, donc voilà, il y a des petits croquis comme ça. Là, c'est sympa, beaucoup plus que ceux qu'il y avait eu sur Superior Spider-Man dans le précédent tome. Voilà, les versions, les croquis d'Old Man Logan, de Diablo. Voilà, là, on a Magic. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment très joli. La tornade, sa sublime tornade qui change de style par rapport à avant. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on voit que voilà, il avait travaillé sur un design comme ça, que j'aime beaucoup moins. Alors, personnellement, j'aime beaucoup moins, mais c'est vrai, ça fait un aspect un peu tribal, plus proche finalement de l'esprit du Wakanda, pour le coup, voilà, si vous voulez relier par rapport à ça. Voilà, d'autres croquis, je vous montre pas tout. Je cherche maintenant, est-ce qu'il y a, il devrait y avoir, il y a toujours, les commissions que j'adore. Voilà, les voilà. Alors ça j'aime beaucoup, hein. Ça c'est les commissions. Donc vraiment ça c'est les choses que je recherche, hein, que dans les sketchbooks. C'est dommage toujours qu'ils soient en petit. Là ça passe. Voilà, comme ça, ce format-là, ça va. Mais le problème, c'est que oui, on peut en mettre qu'une et après des petites miniatures autour. Sinon, il faut le mettre en pleine page, mais du coup, on en aurait moins. Voilà, il n'y a pas vraiment de solution. À la fois, c'est bien, je suis content de voir tous les autres autour, mais en même temps, si je pouvais les avoir en pleine page, ce serait encore mieux. On a beaucoup de choses sympathiques, hein. Il y a une Spider-Gwen, voilà, en couleur en plus. Il y a un Stanley Spider-Man également, très beau. Voilà, à l'époque, Spider-Gwen n'existait pas. Si il y a 2 ans Spider-Gwen existait, je pense que j'aurais demandé une commission de Spider-Gwen à Umberto Ramos. À l'époque, je lui ai demandé, faudra que je vous la montre un jour. Donc, j'ai une commission d'Umberto Ramos de Miss Marvel, vraiment sublime, hein, j'en suis très convaincu. Mais je pense que si Spider-Gwen avait existé à l'époque, j'aurais sans doute demandé ça parce que, en plus, la tenue, il est doué pour faire du Spider-Man puisqu'il en fait beaucoup, mais il est doué pour faire d'autres choses également. Donc voilà, pas mal de petits achats, un peu variés. Il en reste peut-être, je sais pas sûr, sur Original Comics, puisque c'est là que j'ai pris, et c'est vraiment bien. Les autres années, je passais par Pulps, ça se passait très bien aussi, mais c'était parfois un peu plus long. Il y a une année où j'ai eu un peu plus de mal, il y a eu du retard, un problème d'envoi, de frais de port, voilà. Et en plus, le prix est vraiment cool, donc voilà. Pas déçu, franchement, commander sur Original Comics, c'est vraiment la solution la plus simple. Surtout qu'il y a plein de choses, il y a des sketchbooks exclusifs du San Diego Comic Con, il y a des comics en couverture exclusive, par exemple Ninjask, c'est Ninjask, hein, je dis pas de bêtises, ça me fait bizarre de dire Ninjask parce que Ninjask c'est le nom d'un Pokémon aussi, donc ça me dit bizarre, mais je crois que c'est ça, hein. Ça doit être Ninjask dans la collection Valiant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ceci vous aura plu. On parlera vraisemblablement de certains de ces livres bientôt dans des vidéos plus critiques, notamment du Spider-Gwen 2 où je reviendrai plus en détail sur le contenu puisqu'il y a beaucoup de choses. On a toujours du Matt Murdock, Daredevil en vilain, chef des vilains même j'ai envie de dire. On a toujours du Punisher en policier, lui au contraire, du côté de la loi. On a du Lézard, on a dans ce nouveau tome du Bouffon Vert, des Osborn, donc Norman, Harry Osborn. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est vraiment sympa, mais on en parlera dans une autre vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Ciao les amis.